la couac. Comment vous avez eu ce numéro? J'ai une proposition à vous faire. La tête de Dana Mercer est mise à prix. 5 millions de dollars. Dites-moi où la trouver et je partagerai cet argent avec... Dana, je viens d'avoir un coup de fil d'un enfoiré du Black Watch. Je sais, j'écoutais. C'est un des commandants de char de la compagnie Mako. Je vous transmets ses coordonnées. Je vais m'occuper de cette raclure. Cheminée. Ouvre les yeux, quoi.
plus jamais personne. Beau travail, James. Et... merci. De rien. Transmission radio, 22 jours plus tôt. Je vois pas comment l'équipe de nettoyage va pouvoir bosser dans ce merdier. C'est pas notre problème, Matthews. Ça doit pas être facile de remplacer des fenêtres avec des monstres qui veulent vous faire la peau. Enregistrement. 22 jours plus tôt. C'est pourtant clair, jeune homme. Je ne vois pas où est le problème. Désolé, Dr. Koenig. Vous voulez des cadavres frais? Frais et relativement intacts. Les corps doivent contenir le plus de sang possible. Pas de victimes de grenades. Docteur Lawrence Foster, virologue de Gentech, champion de cricket et membre du Mensa. Champion de cricket.
mesures de sécurité, lieutenant, mais comme vous le voyez, je suis de votre côté. Alors, pourquoi ne puis-je pas sortir? Ces mesures de sécurité sont pour votre bien, docteur Foster. Maintenant, veuillez vous mettre derrière le cordon. C'est hors de question, mon bureau est à deux pas, alors je ne vois aucune raison de... Très bien. Mais vous le regretterez. J'ai de mauvaises nouvelles. Gentech fait des expériences dans un labo du coin. Sur une sorte de variante du Blacklight. Qui cible les fœtus. Il est où, ce labo? Je vous transmets des coordonnées. Apparemment, il y a deux responsables. Van Diver, un scientifique, et Chepin, un commandant du Blackwatch. Ici Killback. La base Hôtel 2-7 est envahie d'infectés. La situation est critique. Envoyez-nous des renforts. C'est le bordel. Je ne devrais avoir aucun mal à passer. J'y suis. Je vois ça. Bon, le scientifique et le commandant doivent être dans le coin. Docteur Van Diver, vous êtes attendu au labo. Je crois que j'ai une solution. Let's go.
Van Diver, c'est fait. Chapin, on va se tarder. On va s'en évoluer. Oh non. Si Alex est impliqué dans ses recherches, c'est encore pire que ce que je craignais. Alexander Murray, rétrovirologue chez Gentech depuis 7 ans. Tu parles. Encore un sadique à tous les coups.
et ne laisse pas récupérer nos données, nous allons perdre le contrôle de la zone de quarantaine. Lieutenant, je vous interdis de me tourner le dos. Ces hélicos, histoire de voir ce que préparent ces huiles. Tout à fait. Je viens de vous envoyer les coordonnées de cet hélico. Bonne chance, Crossbow 3-1. Notre jeune ami inculte semble se passionner pour la virologie. Vraiment?
comme c'est amusant. Allons donc récupérer notre troisième collègue. Il a l'autorisation de parler de ce projet. Vous pourrez peut-être lui délier la langue, avec votre charme et votre exubérance. Oui, mais je vous félicite d'essayer de comprendre un domaine aussi complexe.
sergent Heller a une fille. Amaya Allison Heller. Elle est vivante et en détention. C'est nous qui l'avons ? Pas nous. Des agents fédéraux qui sont venus fourrer leur nez là-dedans. Elle est entre les mains d'un certain crétine et je n'ai pas accès à elle. Les enfants. Où est-elle ? Aucune idée. Mais si j'arrivais à la trouver, je la mettrais dans un coin, je lui filerais une sucette et j'attendrais que cet enfoiré se pointe. Dites-moi ce que vous savez. Je vous la ramène. Hors de question. C'est moi qui m'en occupe. C'est moi. Écoutez, je sais qui tient Maya. C'est un enfoiré qui s'appelle Griffin. C'est une sorte d'agent gouvernemental. Bien joué. Bon, Griffin, c'est noté. Je me renseigne sur lui. Ouais, moi aussi. Il doit être dans cet hélico. Catapulte 3-3, la voie est dégagée. Maintenez votre cap. Terminé. Red Crown, la catapulte 3-3. Où est-ce que vous en êtes ? À vous. Red Crown, nous serons là d'ici quelques minutes. Terminé. Catapulte 3-3, ici Red Crown. Où en est le transport du VIP ? À vous. Red Crown, on a atterri. On emmène le VIP en lieu sûr en ce moment même. À vous. Bien reçu, 3-3. Une fois sur place, attendez de nouveaux ordres. Terminé. On attend quoi ? Pourquoi ? On le tue pas. On attend parce que Mercer nous l'a demandé. Et je ne vais pas. Regardez, le chouchou du patron. Lâchez-le, tout de suite. Pas question. Vas-y, Heller. Montre-nous de quoi tu es capable. Si je te tuais... Red Crown, ici Oscar 6, Lima, depuis November 1-9. L'agent Griffin a été enlevé par 4 soldats infectés. Quels sont les ordres ? À vous. Commandant Lawrence, ici Red Crown. Vous avez ordre de récupérer l'agent Griffin. À vous. Red Crown, ils ont déjà filé. Ces types sont hyper rapides. À toutes les unités, ici Red Crown. 4 soldats infectés ont capturé un VIP appelé Griffin. Je vous transmets sa photo. Contactez le QG et intervenez si vous le repérez. Concentrez vos forces sur Heller. Terminé. Tuez cet enfoiré. Empêchez-le d'approcher Griffin. 3-1, Heller. T'as aucune chance. Thank you.
Tu te caches, ordure. Heller, je sais où est votre fille. Je peux vous conduire à elle. J'y compte bien. Et préparez-la pour le bloc. Espèce d'enfoiré. J'aurais mieux fait de te tuer. Dana, il me faut des infos sur un certain Carson. Il bosse pour la même organisation que Griffin. Je vais faire de mon mieux, mais cette agence est très secrète. Il vaudrait peut-être mieux en parler au colonel Rooks. Ouais, je vais faire ça. Dana, vous êtes dans la planque. Faut que je vous demande un truc. Oui, je vous attends.